Salut les petits fous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo et je vous accueille quasiment en pyjama. Donc alors pour vous expliquer, donc voilà, la journée est passée, donc j'ai eu mon maquillage quotidien. Et aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'enlevais mon maquillage. Et du coup je vais vous faire la routine complète de démaquillage, mais la plus complète de la semaine. Donc avec les soins, les exfoliants. Tu veux qu'on te reste là toute la vidéo? Donc du coup comme je vous disais, bon bah la journée est passée, donc pour ça que je brille un petit peu, malgré que je trouve que ça va à peu près. J'avais un peu blindé l'highlighter. Donc le premier produit que j'utilise pour me démaquiller, c'est le produit qui va faire quasiment tout le démaquillage. C'est celui-ci, donc c'est le Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil de chez Kiehl's. Donc vous allez voir beaucoup cette gamme de chez Kiehl's parce que bah simplement c'est ma gamme favorite que j'utilise quasiment en complète, surtout le soir. Alors, première chose, c'est tout simple, donc c'est une huile en fait qui va se rincer à l'eau, elle est bien pour tout type de peau, elle est apaisante et tout, enfin vraiment elle démaquille quasiment tout. Donc le gros du travail sera fait avec elle. Vous pouvez également la remplacer par de l'huile de coco, ça marche très très bien. Moi je préfère celle-ci parce que je trouve que ça laisse une pellicule, ça laisse pas de pellicule justement. L'huile de coco laisse une petite pellicule que j'aime pas, et là pour le coup celle-là ne le fait pas. Donc on prend 2 à 3 pressions pour un gros maquillage comme ça, j'en prends 3 généralement. Surtout que les rouges à lèvres de chez Jeffree Star, ils ont tendance à bien accrocher. Donc généralement je prends 3 pressions. Vous le frottez dans vos mains, vous en mettez partout. Et là, vous allez venir étaler tout sur votre visage. Et du coup, vous allez avoir tout votre maquillage qui va se mélanger, ça va être magnifique. Alors, évitez d'en mettre trop dans les yeux quand même, mais ça ne brûle pas les yeux, enfin moi ça ne m'a jamais brûlé les yeux. Donc c'est ce moment où vous êtes vraiment au top de vous-même. Genre, vous pouvez pas être plus beau en fait, franchement. Vous n'avez surtout pas du tout l'air con sur internet à montrer votre gueule comme ça. Donc je fais toujours le rouge à lèvres en dernier parce que ça va s'étaler partout et c'est absolument dégueulasse. Et là on va faire les lèvres. Pareil, je tourne. C'est magnifique hein. Barbe bleue. Voilà. Donc à ce moment là, on va tout simplement rincer à l'eau tiède et vous rincer abondamment jusqu'à ce que tout parte. Ah, voilà. Donc vous tapotez bien votre visage pour enlever et comme vous voyez, il reste quasiment plus rien. Moi c'est un petit peu sur les lèvres. On va venir s'en occuper. Du coup pour les lèvres j'utilise un exfoliant, donc là c'est le baiser soufflé de chez Lush, qui ressemble à ça. Voilà, donc j'ai pas encore les Jeffree Star mais il faut que je finisse celui-là et je pense qu'à Noël ou un petit peu après je vais prendre les Jeffree Star qui sont vachement plus gros et qui a plein de parfum trop bien. Donc c'est du sucre hein, concrètement, pour en faire vous-même. Il y a plein de recettes sur internet de bons exfoliants. Vous en prenez un petit pochoir le doigt et vous venez bah, frotter vos lèvres. Habituellement, vous pouvez le manger, mais quand là il y a encore du bleu, vous évitez de le manger. Donc là, soit vous le rincez à l'eau, soit vous rincez. Voilà, soit on partira à la machine après. Voilà, donc là vous avez quasiment, vous avez plus de bleu. Tout va bien. Donc là, en soi, on a l'air démaquillé, mais on ne l'est pas totalement. Et là, je vais vous montrer votre routine, enfin ma routine pour que je fais à peu près une fois par semaine. Quand je me suis beaucoup maquillé, concrètement, il faut venir bien les incruster et hydrater la peau et lui faire du bien, quoi. Parce que là, alors on peut plus. Ce que je vais faire, c'est quand il y aura des phases optionnelles que vous pouvez enlever de la routine quotidienne, je vous mettrai un petit macaron. Voilà, je sais pas ce que je mettrai un truc quelque part par là pour dire qu'en gros c'est optionnel. Ok, donc cette phase optionnelle consiste à venir utiliser un exfoliant. Donc là encore une fois c'est chez Kiehl's. La vidéo elle est pas sponsorisée, c'est juste que j'ai acheté énormément de produits chez eux. Et du coup bah toute ma routine est quasiment là-bas. Donc pas de sponsor malheureusement. Donc là j'utilise du coup une fois par semaine le... Alors attention les noms à rallonge. Epidermal Retexturizing Micro Dermabrasion. Donc en gros c'est un soin dermatologique. En gros c'est un gros exfoliant quoi. Ah. Donc tout simplement j'ai le visage qui a été humidifié. Vous allez prendre une petite quantité, toute petite, de produit. Une petite quantité de produit. Donc il y a des petites billes à l'intérieur. Et on va tout simplement venir exfolier le visage. Donc autant vous dire que c'est assez fort. Donc celui-là évitez quand même de l'utiliser si vous avez une Clarisonic. Moi j'en ai une mais j'ai pas de brosse propre et j'ai pas les sous pour acheter une brosse. Mais si vous avez une Clarisonic, ça fait l'affaire aussi. C'est des petites brosses à pulsion. Et ça nettoie bien les pores pour le coup. Donc là, je l'ai fait à peu près partout pendant 3 minutes.
à peu près. Je vais aller le rincer, et quand vous le rincez, vous mettez un peu d'eau, ça va remousser un petit peu, vous re-exfoliez, et puis vous finissez de rincer. Donc, à tout de suite. Donc voilà, j'ai tout rincé. Et donc là, c'est une phase qui n'est pas optionnelle, que je fais tous les soirs, au moins après le démaquillant. Donc là, vous avez tout rincé, donc tout va bien. Et on repasse à une phase qui n'est pas optionnelle, que j'utilise toujours après mon démaquillant à l'huile. C'est une eau micellaire. Donc là, c'est la Hydra Bio H2O de chez Bioderma. Donc moi, j'ai celle pour peau sensible et déshydratée. Donc ma peau est plutôt à tendance déshydratée. Hein. Et du coup là, je vais venir enlever en fait, parce que malgré tout ça, il faudrait toujours des petits résidus. Bon là, c'était pas le cas pour le coup, mais vous pouvez utiliser, si jamais vous utilisez des crayons noirs ou des mascaras qui tiennent vraiment fort, vous pouvez utiliser des huiles biphasées avec un petit coton pour enlever. Bon là, moi, c'était pas le cas. Je le fais surtout quand j'ai des fossiles ou quand j'ai le temps. Et vous voyez, vous avez beau avoir nettoyé votre visage, bah, il en restait encore. Donc si vous avez le temps, vous pouvez éventuellement faire des masques. Donc vous avez plein de masques différents, vous avez des masques hydratants, des masques exfoliants, des masques repulpants, des masques liftants, des mille et un masques. Hein. Vous connaissez tous les masques Colorful de chez Sephora. Vous connaissez les masques de chez Dr. Jart, qui sont vraiment super bien, qu'on trouve également chez Sephora d'ailleurs. Enfin, il y a moult masques. Là, je vais pas en faire, tout simplement parce que j'ai pas besoin d'en faire. Du coup, je vais vous montrer directement comment j'hydrate ma peau. Donc tout d'abord, ça c'est ma routine du coup de tous les soirs. J'utilise la Midnight Recovery Concentrate. Donc c'est pas vraiment un sérum, c'est plutôt un concentré. J'utilise l'eau thermale Saint-Gervais, donc c'est une crème nourrissante. Voilà. Pour toutes les peaux. Hein. Et j'utilise le Midnight Recovery Eye. Donc, ça, on n'y verra absolument rien. Mais c'est la version, tout simplement, c'est la crème contour des yeux de nuit de la collection, de la gamme de chez Kiehl's, donc toujours Midnight Recovery. Du coup, je vais d'abord. Alors, ça, c'est pas un sérum, donc je ne l'utilise pas en premier. Je l'utilise après, ce qu'on m'a dit. Donc, je sais jamais ce qu'il faut écouter. Donc, actuellement, je fais ça. Donc je prends d'abord ma crème des eaux thermales, sur ma propre bien évidemment. J'en prends un tout petit peu. Je vais en mettre partout. Si jamais vous voulez une review sur les masques que j'aime, etc., n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et on s'arrangera pour faire ça. Donc là, je vais appliquer ma crème. Donc en évitant le contour des yeux, évidemment. Et oui. Une belle routine teint, ça inclut aussi ça. Hein. Donc là, vous allez avoir en fait la routine du soir. Pour faire la routine du jour si vous voulez, mais elle est assez rapide. Donc je pourrais faire une autre vidéo également. Et pour la routine maquillage, bah, vous avez la vidéo qui s'affiche jusque là. Juste là. Juste là. Ensuite, j'utilise mon concentré. Donc là, je mets 4 gouttes dans la paume de main. 1, 2, 3, 4. On ferme parce que ça coûte cher. Et là on tapote, on va pas venir frotter parce que ça abîmerait les molécules, apparemment. Selon la légende. J'y connais rien, je sais ce qu'on me dit. Hein. Donc on m'a dit de tapoter, d'avoir l'air idiot. Donc, écoutez, ça marche. Donc je le fais. Et en dernier, du coup, on utilise la crème contour des yeux, la fameuse. Ça, vous en mettez un demi-grain de riz. Le demi-grain de riz est vraiment très précis comme mesure. Donc voilà, un demi-grain de riz. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un grain de riz, bah, débrouillez-vous. Et là, pareil, vous venez tapoter au niveau de l'os des yeux. Et voilà, donc pour ma routine de démaquillage et du coup avec les hydratants qui vont derrière. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez, vous pouvez faire des masques également. Bien évidemment, si vous faites un masque de nuit, vous ne faites pas vos soins hydratants, me semble-t-il. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc si vous faites un masque de nuit, bah, avant de vous coucher, vous vous démaquillez, vous mettez votre masque de nuit et puis vous dormez. Voilà, c'est le concept. Moi, j'aime pas ça parce que j'ai l'impression après d'en foutre partout. Enfin bref, c'est sûrement dans ma tête, mais je trouve ça cracra. En tout cas, bah, si vous avez des questions, que vous avez des choses que vous voulez que je vous montre, plus que d'autres ou quoi, dites-le dans les commentaires. C'est là pour ça, de toute manière. Donnez-moi vos avis sur les vidéos. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma page Instagram. Ouh. Instagram, et c'est juste là. En attendant, je vous fais de très gros bisous et be beautiful.